Bonjour, c'est avec grand plaisir que je vais vous donner un tutoriel sur les sous-plats en forme d'étoile textile. C'est un patron que j'ai découvert et j'ai tellement adoré sa simplicité que j'ai offert de travailler en équipe avec la créatrice Deborah Miller pour traduire ses patrons en français. Donc nous avons une très belle collaboration depuis et il me fait immensément plaisir de vous présenter des patrons en français et voici le tutoriel. Donc, prime abord, ce sont des sous-plats en forme d'étoiles en pliage textile. Vous pouvez les faire en forme ronde, forme carrée, même octogonale. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle a créé des patrons qui fait que vous pouvez faire de merveilleux centres de table, même un sac à main, un tablier et des courtes pointes également pour bébé. Il y aura moins d'épaisseur dans le pliage textile pour que ce soit quand même facile à piquer et aussi moins lourd pour l'enfant. Mais c'est tous des patrons à la base de ce patron. Alors, sans plus tarder, je vous présente le tutoriel. Voici comment faire le sous-plat en forme d'étoile textile. Donc, ça, c'est le patron. Et quand on ouvre le patron, on va se retrouver avec le dépliant explicatif ainsi qu'un entoilage avec la forme pour faire le sous-plat. La première chose que l'on doit faire, ce sera de prendre un carré pour mettre installé au milieu. Pour bien le fixer, on conseille de prendre de la colle soluble à l'eau. On va aller l'installer et ensuite bien fixer le carré au centre de l'entoilage. Par la suite, il faut commencer à insérer les triangles sur l'entoilage. On va tout d'abord montrer comment faire les triangles. Voici l'outil que j'adore pour faire les triangles. On va donc prendre notre carré, le plier en deux. On va s'assurer que nos pointes sont parfaitement alignées. On va ensuite aller utiliser le triangle. On va aligner les lignes. Les lignes sont déjà embossées sur le triangle. On va bien les installer au bout du tissu. Et on va aller replier nos pointes et presser au fer. Donc, ceci va nous permettre... Il faut faire attention parce que ça va être chaud. On va retirer le triangle avec le bout de fil qu'on va rajouter sur le triangle. Donc, ça va vraiment faire le triangle parfait, la pointe parfaite ici. On conseille également d'amidonner le tissu pour qu'il reste rigide et qu'il ne bouge pas. Donc, voilà pour le triangle. Donc, on va maintenant prendre nos carrés et on va aller les installer sur l'entoilage. La raison pour laquelle j'adore cet entoilage-là, c'est que les lignes sont vraiment bien clairement indiquées. On a aussi un anneau qui indique la série 1. Donc, la base de votre triangle devrait s'accoter sur l'anneau 1 et les côtés devraient s'aligner sur les lignes de 45 degrés. Et on continue toujours le pli du triangle vers nous et on continue l'alignement. Une fois qu'on est satisfait, vous pouvez également, à ce moment-là, quand on est sûr qu'on l'aime, on va aller prendre la colle et on va aller mettre de la colle sur le triangle avant de le déposer. La première étape est faite. Donc, par la suite, on va aller chercher, reprendre les triangles suivants. On va aller s'aligner sur la série 2 et en faisant de nouveau, on installe la base sur l'anneau et on va aller aussi s'installer donc la base du triangle sur l'anneau ici et on va s'assurer que notre ligne reste sur l'angle de 45 degrés. Donc voilà, il est bien installé. On a deux choix à cette étape-ci. On peut choisir d'aller installer les angles de 45 degrés autour de la pièce, toujours en s'assurant d'avoir un bel alignement. Et par la suite, on superpose les angles de 90 degrés toujours sur le même anneau de la série 2. Donc ça, c'est la première option. Donc vous voyez que vous allez vous retrouver avec un alignement parfait, facilement, rapidement. N'oubliez pas de coller avec votre bâton de colle. Cependant, il y en a, moi j'adore... Ce côté-là, c'est répétitif, c'est ligné, c'est mon style. Mais il y en a qui vont préférer d'aller plutôt alterner. Donc, je place mon premier,
Je place le suivant. Je place le suivant. Et ainsi de suite. Donc, vous allez remarquer que l'étoile se forme tout de même. Ça ne change pas. Mais le positionnement, vous allez voir que les lignes ici, quand on regarde de plus près, ne sont pas identiques. Donc, c'est moins symétrique. Ceux qui aiment la symétrie, ils vont sans doute préférer celui-ci à l'autre. Donc, je vais vous montrer, j'ai déjà positionné, collé celui-ci. Donc, voici un exemple avec du blanc pour que vous puissiez le voir. Et je vais tout de suite parler, nous, vous voyez sur nos échantillons qu'on les a déjà faufilés ici pour les stabiliser, pour que ça ne bouge pas. C'est juste pour la démonstration. Donc, vous n'avez pas à faire cette étape-là. Donc, on poursuit avec la troisième série. Encore une fois, on s'aligne ici. On va aller positionner toujours en s'assurant que la ligne demeure bien droite. Vous voyez comment que c'est rapide à positionner. Et n'oubliez pas de toujours aller mettre votre colle partout pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, donc l'alignement est bien fait. Et c'est ce que vous voulez également vous assurer, c'est que la ligne ici demeure toujours bien droite avec les lignes d'avant. Donc, voici pour la troisième série. Vous pouvez la visionner comme ça avec le verre. Et il nous reste donc à poser la dernière série, la quatrième, qui s'installe ici. Donc, je change le rythme, je les place un après l'autre. Donc, vous avez votre étoile déformée. Donc, voilà comment on fait l'étoile en pliage textile. Une fois qu'on a fait cette étape-là, vous allez maintenant aller coudre. Donc, toujours avec un pied marcheur, vous allez aligner pour aller coudre dans les coutures ici. Donc, on a simplement quatre coutures à faire ici et là pour fixer votre projet. Par la suite, vous pouvez aller coudre le pourtour. Donc, pour coudre le pourtour, avant de parler de coudre le pourtour, je vais juste vous mentionner qu'avec ce projet-ci, vous avez toujours l'option de coudre, de faire un projet soit rond, soit carré ou même octogonal. Donc, dans ce cas-ci, vous auriez tout simplement carré, rajouter un morceau de tissu supplémentaire, coudre le périmètre en carré ou le coudre en rond. Ou dans ce cas-ci, vous pourriez tout simplement le coudre en octogonal et terminer votre projet. Pour ce faire, il faudra aller sur l'endos de votre pièce et choisir la forme désirée, donc le rond, l'octogonal ou le carré. Donc, vous cousez selon la ligne que vous désirez, vous coupez les excédents, vous rajoutez votre molleton et vous piquez. On a plusieurs choix d'options de piquage. Donc, on peut piquer tout simplement sur le pourtour du dernier projet ou aller faire un design piqué vraiment en écho tout le projet. J'espère que vous avez apprécié les informations. Le patron est disponible en ligne. S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer directement avec moi. Merci et à bientôt!